Merci beaucoup. Tout d'abord, je commencerai par vous remercier, vous la presse, qui nous avait quand même donné l'occasion d'échanger avec la population du Sénégal, celle d'Idiolof en particulier, et plus particulièrement encore celle de Dara. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est la journée Clean Day qui se fait au niveau national. Ce que vous voyez par là, c'est la population d'Idiolof, la population de Dara mobilisée comme un seul homme pour un intérêt commun, pour un intérêt collectif. Avant peut-être juste de répondre à votre question, j'aurais préféré aussi adresser mes vives félicitations à la mairie de Dara, aux autorités de cette collectivité territoriale, pour l'engagement par rapport aux intérêts de cette population, mais aussi et surtout par rapport aux actions menées jusqu'à nos jours. Le président de la République les a trouvés déjà sur le terrain. Ils ont commencé à faire des activités intéressantes. Aujourd'hui, nous sommes là que pour enclencher et galvaniser ces équipes-là. Il faudrait que les Sénégalais comprennent. Ça, c'est le travail de tous et pour tous, comme on l'a dit et on le maintient. Ce n'est pas le travail du président de la République, encore moins ses ministres de la République, encore moins ses DG ou ses maires. C'est l'affaire de la population sénégalaise. Donc il faudrait que cette population s'en approprie. Heureusement, ici au niveau du Djolof, ici au niveau de Dara, nous avons constaté et de visu que la population s'en est appropriée. Et par rapport à ça, on prie que ça puisse perdurer. Parce que vous avez vu tout à l'heure avant de venir, ce qui était là en tas de déchets, c'est pour l'intérêt de qui? C'est pour l'intérêt de personne. Aujourd'hui, on l'a balayé. Tout est propre, mais c'est l'intérêt d'abord des populations, des commerçants, des personnes riveraines et non l'intérêt du ministre ou l'intérêt du maire en tant que tel. Donc il faudrait que les gens comprennent que le président de la République, ce qu'il peut faire, c'est d'enclencher une stratégie, c'est d'enclencher une procédure. Mais l'appropriation, la mise en œuvre réelle, la pérennisation, ça c'est du ressort des populations. Et par rapport à ça, j'invite la population de Dara, la population du Djolof, de ne pas être en reste par rapport à ce programme ambitieux, important, mais aussi ce programme à tout point de vue quand même honorifique. Donc il faudrait que nous y mettons et que ça ne soit pas une activité politique et politisée, que ça soit une activité citoyenne et exclusivement citoyenne. Et vous l'avez constaté vous-même, aujourd'hui, il y a, je peux dire, tous les partis politiques du Djolof. Il y a toutes les obédiences politiques du Djolof. Il y a toutes les couches sociales du Djolof. Donc ne serait-ce que pour ça, nous on a quand même l'esprit tranquille par rapport à l'avenir de cette opération. Nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain pour accompagner de par les initiatives. Parce que si on est là aujourd'hui, ce n'est pas du fait d'eux. C'est parce que le président de la République, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'a voulu. Donc il faudrait dans la mesure du possible qu'on l'accompagne dans ses initiatives. Et au passage aussi, je tiens à vous le dire, ce qui est en train de se faire ici au niveau de Dara est en train de se faire dans la quasi-totalité des communes du Djolof.
Ceci a été possible par l'appui des uns et des autres, des bonnes volontés, mais aussi du ministre de l'Intérieur, qui a fait de son mieux pour accompagner aussi certaines collectivités territoriales. Donc il faudrait s'en féliciter et se dire, c'est l'activité, c'est l'affaire de tous. Donc enregistrons-nous et battons-nous ensemble pour que ça puisse être pérenne. Pour la pérennisation de ces actions, que peuvent être les contributions des associations des jeunes? Ça, c'est pas l'affaire de la collectivité territoriale, c'est l'affaire de la population. Quand on parle de l'affaire de la population, les associations sportives et culturelles ne sauraient être en reste. C'est elles qui seront au devant, derrière et au niveau de tous les côtés. Sur ce plan, nous en tant qu'autorité, nous en tant que fils du terroir, et les autres même qui ne sont pas ici, ce que nous devons faire, c'est d'accompagner les associations sportives et culturelles à ce qu'elles s'organisent en comité de nettoiement et que ça soit des comités permanents. Et des chefs de quartier également pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle. Parce que c'est ça quand même l'ambition du chef de l'État, que le Sénégalais lambda puisse comprendre que je suis le principal responsable par rapport à ce programme zéro déchet au Sénégal. Et que tout un chacun se dise que si je ne règle pas cette question, ce sera une question entière qui ne sera jamais réglée. Si chacun se permet d'avoir cette posture, je me dis que nous pouvons quand même retrouver un jour le bout du tunnel. Tout d'abord, de me préciser que djité wu ma mbirmi. Dama bokku ci ñiko djité, bokku ci acteur yi. Parce que dekk nak so ci ñëwé, bëggu ñu né la bismillah, da ngay jaar ci buntu bi. Et buntu dara, c'est le maire de dara. Kon dañu ñëw top ci mom, and ci mom par rapport liggéey bi ñu fekk mu ngi liggéey au niveau de la commune. C'est le moment aussi ñu féliciter len, ñu sante len, ñu gëreem len. Parce que nak aduna ak numu mën di mel nañu xamné waaw goor momu touti la waye bu am solo la ci nit. Nit suy def ay effort en fonction moyen yamu am bes bobu baxna mu deg waaw goor nit motul muy man muy keneen ak keneen ñun ñep suñu nit jugé suñu jëf tal tout temps xeyna man nañu jaar fofu bañu. Mais li am solo bu am solo moy que nit ñangi jëm, la mairie est en train de faire des efforts, donc nañ leen ci sante par rapport ak lool. Benen bi comme vous l'avez dit, programme bi programme président de la République la. Président de la République nak limu am mom moy joxe ay tektal orientation, mais la mise en œuvre en tant que telle liguey bi ci bopam population bi ñoko yoré. Té gis na lima gess fi tay bir dara, té li fi am tay mom mo am ci commune yu bari ci bir département de Linguère. Kon dañ koy rafetlu, ñaan yalla ñu mën ko pérenniser. Té amna yaqin aussi mën na am mu pérenniser ko, parce que ñepp xam na ni li ni du activité politique, du liguey bo xamné wa APR ñoko mom wala wa PDS wala benen parti wala société civile. C'est l'affaire de tous les Sénégalais, muy goor muy jigen muy mag muy ndaw, kenn ku ne ci ñun amna ci cieur bu mu wara jouer. Kenn ku ne ci ñun su toge buntu kërëm ne man dina fexé li président ma ki woti mu bañ ma ci ëppalé, damay ne dina mëna yomb. Waye kenn ku ne su ko naré def l'affaire du président, l'affaire des hommes du président, l'affaire du ministre, l'affaire du maire, damay ne ça ne va pas quand même prospérer. Donc nañu xamné fi ñu fekk légui mbalit mi ay nit ñoo nekk fofu, ñalé di jaay, ñalé di nekk ci yenen. Waye xam ngeen ne biñ ko dindé légui suñu démé ñom ñokoy jëriñu. Kon ñom ñi nga xamné ñokoy jëriñu en premier lieu, ñom ñoo wara nekk au devant de la scène. Ñu xamné né li ni defuluñ ko président de la République, defuluñ ko ministre nangam, defuluñ ko maire nangam, waye suñu bop lañ ko défal. Té au delà de ça, mais ñun ñëpp dañu am gëm gëm yo xamné gëm gëmu diiné la, muy diiné islam, muy diiné chrétien ak bu mu ci mën di doon. Kenn ku ne xamna set bokku na ci li nga xamné diiné da ko bëgg, ne serait-ce que pour ça. Donc limay wax nit ñi ne ñu futéku bayyi xol yi ci gannaaw, futéku and ak xel yi ngir li nga xamné mom moy l'intérêt général, l'intérêt collectif. Suñu réew mi su sété ñun ñëpp ci bokku yam, ñun ñëpp ci am ndam. Leneen li aussi en profiter pour wax ne liguey bi AEC yi dañ ci am wal, dañ ci am cër. Wax nañ association sportive et culturelle, lolu nonu dañu inviter AEC yépp, mais di inviter également chef de quartier yi, délégué de quartier yi, parce que nak ñom la yalla def tay ñu di dogal ci bir quartier yi. Ñun ñi nga xamné fi ni lañu nekk lay lepp luñu mëna dinañ jappalante ak mairie, jappalante ak conseil de quartier yi pour accompagner leen ci liguey bi nga xamné ñu ngi koy def. Les imams duñ leen bay ci gannaaw, ba suñu né imam
ñune yarkat suñu né imam ñune modèle suñu né imam ñune exemple tay ci ngone inshallah taala warna recevoir les imams de la commune de Dara au nom de sang et poussière dinañ ci profiter aussi pour wax len li ni président nekké ak bëgg ko def ngir réew mi c'est pas l'affaire du président c'est l'affaire de toute la population kon kenn ku né amna ci wal ci khutba yi ñu def yalla téréwul nga khutba nga woon nit ñi ci ciet parce que ciet bokku na ci jikko yi nga xamné ñu ngi koy xaar ci bëpp julit ak ci bëpp chrétien ak religion bo mënd di nek kon lolu nonu dañu rafetlu wat encore une fois de plus ni ñu gisé mu démé ni ñu ñaan yalla nak mu baña nek li olof yi di wax ratu bey bo xamné man na kay toll ni waye taf 5 minutes mu jeex on ne veut pas que ça soit une activité politique on veut que ça soit une activité citoyenne et exclusivement citoyenne je vous remercie.